est pensée, qui est tristesse, qui est louée. Adorez mon Dieu, dis merci. Dis merci pour famille, dis merci pour petite garçon, dis merci pour petite fille, dis merci pour ministère Maou, dis merci, dis merci, dis merci parce qu'on va dormir dans la rue, dis merci parce qu'on va dans le monde, dis merci parce qu'on va dans voler, dis merci parce qu'on va dans les maisons, dis merci, dis merci, dis merci, crie alléluia! 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 Et bien mon Dieu, merci, continue à dire gloire à Dieu. En dedans, en dedans, besoin de parole, qu'a dit gloire à Dieu. Qu'a dit loué soit l'éternel, exalté soit l'éternel. Alléluia. Oh, musicien, on dit merci dans façon paillon. Moi-même, sous un micro, on dit merci dans l'esprit. Moi, vous-même, vous besoin de dire bon Dieu merci. Et pas merci, et bon merci, et bon frère, on fait bon Dieu. Mais bon Dieu mérite pour dire merci. Parce que si dans le moment ça, il a dit tout souffle campé, tout souffle c'est campé, puis tout le monde mourit. Mais c'est lui qui souffre, et lui qui vivre. Crie alléluia! Alléluia! Combien de monde qui croit Christ fait gros bagaille pour vous? Combien de monde qui croit Christ fait gros bagaille pour vous? Combien de monde qui croit Christ fait gros bagaille pour vous? Combien de monde qui croit Christ fait gros bagaille pour vous? Alléluia. Tu te demandes de ce que la vie a pour toi. Tu te sens si seul et si loin. Tu ne peux comprendre les circonstances, celles qui te retiennent, t'opprimes et te tourmentent. Mais sois confiance en l'éternel, il ne te laisse.
péché encore. Moi sauvé, moi t'es la louvé pour moi. Sans Jésus, t'es lavé tout péché. Sauvé par la Jésus-Christ. Oui, moi sauvé. La louvée pour moi. Sans Jésus, t'es lavé tout péché. Sauvé par la Jésus-Christ. Oui, oui, moi sauvé. Sauvé, sauvé. Ouais, ouais, pas c'est la louvée. Ouais, pas c'est la louvée pour moi. Pour moi. Sans Jésus, t'es lavé tout péché. Sauvé par la Jésus-Christ. Oui, moi sauvé.
De Paul aux chrétiens de Galatie. Chapitre 1. Moi, Paul, apôtre, avec tous les frères et sœurs chrétiens qui sont avec moi, j'écris aux églises de Galatie. Ce ne sont pas des hommes qui m'ont fait apôtre. Je ne le suis pas par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a réveillé de la mort. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous donne la paix. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous sauver de nos péchés. Il nous a arrachés à ce monde mauvais comme Dieu notre Père l'a voulu. Gloire à Dieu pour toujours. Amen. Dieu vous a appelé gratuitement par le Christ et je m'étonne que vous lui tourniez le dos si vite pour aller vers une autre bonne nouvelle. Cela ne veut pas dire qu'il y a une autre bonne nouvelle. Non, il y a seulement des gens qui sèment le désordre chez vous et qui veulent changer la bonne nouvelle du Christ. Nous vous avons déjà annoncé la bonne nouvelle. Eh bien, si quelqu'un, même nous, ou un ange du ciel vous annonce une bonne nouvelle différente, que Dieu